Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Tuffy Tuff et on se retrouve pour une petite vidéo sur une démo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ce genre de choses sur Kirby Star Allies. Donc la démo, alors pour tout vous dire, j'ai déjà fait ce petit truc en facile, la prairie donc. Et donc il y a deux niveaux disponibles dans cette démo et je me suis dit tiens, bah pourquoi pas la faire ce mode difficile en vidéo. Alors difficile, faut savoir que Kirby ça a jamais été des jeux extrêmement durs, mais ça reste des jeux qui peuvent être sympathiques. Attendez, je vous bouge un peu. Voilà, de cette manière ce sera beaucoup mieux pour tout le monde je pense. Alors Kirby, donc c'est du plateforme, c'est fait par Nintendo. Et donc on va se lancer ce petit niveau difficile. En gros, la particularité de cet épisode, c'est qu'on va pouvoir, comme on voit à l'écran, avoir des coéquipiers qui viennent nous rejoindre. Donc en leur lançant des petits cœurs, voilà, c'est de l'amour, c'est tout mignon, c'est magnifique. Et donc Kirby, donc c'est un personnage qui a la particularité, si vous ne connaissez pas Kirby, de pouvoir de cette manière aspirer ses ennemis et prendre en fait leur pouvoir. Mais là, donc, on peut aussi s'en faire des alliés, vous voyez. Donc, il y a Jado qui vient de me rejoindre. Et donc, on va pouvoir comme ça cumuler un peu nos... Attendez, parce que lui, il faut que je le capture aussi. Hop, parce que les petits chevaliers là, ça peut être bien utile. Ok, donc voilà, en gros, le principe, ça va être de se récupérer des alliés. On va pouvoir comme ça, après, enchaîner des pouvoirs ensemble. On va voir ça. En tout cas, le petit niveau facile avait deux, trois petites phases de gameplay bien sympathiques. Donc j'espère que... Attendez, je fais le con. Toi, je vais t'aspirer. Je vais prendre ton pouvoir à toi. Ok, ça c'est comme ça. J'ai vu que je pouvais balancer de l'eau un peu comme ça. Lui, je vais le capturer pour nous. Ouais, ça peut être utile, un gars comme ça. Voilà, on est 4. 4 maximum. Ah bah il y a des flammes, j'ai bien fait de prendre ceci. Donc voilà, il a été annoncé pendant le Nintendo Direct qui a eu lieu cette semaine. Attendez, j'ai cru voir un gars là-haut. Alors le seul petit truc que je dirais pour l'instant de ce jeu, c'est que les 4 à l'écran, de temps en temps, c'est un petit peu le bordel. Simplement. À chaque coup, je ressaute pour pouvoir passer aux écrans du bas, alors qu'il faut juste appuyer vers le bas. C'est du Nintendo, c'est tout simple. C'est logique. Par contre, je sais pas si je vais débloquer tous les bonus ou ce genre de choses. Donc oui, le Nintendo Direct de cette semaine, on va en parler un tout petit peu, parce que j'ai vu pas mal de choses. En gros, ce que Nintendo nous a fait avec ce Nintendo Direct, c'est nous balancer en gros les dates de sortie, tout ce qui allait arriver d'ici cet été. D'ici le 3 en gros. Et donc voilà, on a le planning de sortie pour la Switch. Attendez, ça ils veulent que je me transforme comme ça. Ok, qu'est-ce que ça fait ça? Je deviens tout dur. Ouh, je deviens tout dur. Ah d'accord, en descente ça va. Ok, c'est cool. Ok, ok. Ça, j'imagine. Ah non, mais si je tape à côté, ça sert à rien. C'est ça, il faut appuyer dessus. Voilà. Ah d'accord, à chaque coup, c'est des poses totalement différentes. C'est cool. C'est cool, cool, cool. Donc ouais, Nintendo Direct sympathique. Ils ont annoncé 2-3 petites choses. Bon, bah, le Smash Bros. Qui est en développement, qui sortira cette année. Ça, c'est... C'est du made in Nintendo, hein. Si on vous annonce un jeu, généralement ça sort dans l'année. Et ça c'est plutôt cool. Alors là-bas il y avait une petite descente. Voilà, puis il y avait un petit truc activé comme ceci. Ok, ça bouge là. Et là qu'est-ce qu'on a? Une petite porte cachée qui va nous mener certainement à un bonus. Certainement un petit bonus. Donc oui, alors je parle de plein de choses depuis le début de cette vidéo. C'est un petit peu confus. Et bon, alors, ça, je suis déjà comme ça, moi. On va amener quelqu'un, un autre. Voilà. Hop. On va lever le pouvoir. Et voilà, vous allez voir, comme ça, vous voyez un petit peu de quoi est capable le jeu. Quelle classe. Oh,
soignons. Ok, je pense pas que la sortie soit par là-haut, je vais vérifier. Non. Hop. On redescend. Mais voilà, je trouve que de temps en temps, ce jeu, c'est un petit peu confus ce qui se passe à l'écran. C'est avec plein de personnages, mais ça, c'est tout le temps. Souvent, quand il y a des jeux en multi, je pense aux certains Mario qu'ils avaient fait où on pouvait jouer en coop. Ah ouais, sauf que par contre, je peux plus. Je vais abandonner ce pouvoir. Je suis pas fan. Puis il y en a un autre qui est comme ça, donc c'est bien. Tiens, je vais reprendre ça à moi. Ah merde, j'ai été trop vite. C'est pas grave. On va passer la porte, on va voir ce qu'il y a derrière. Tranquillement. Les petites musiques, hein, elles sont sympathiques, ça reste... Ah, ah tiens, les mecs qui crachent du feu, j'aime bien. Je vais l'aspirer, oui. Mince, non, je l'ai craché. Mais quel idiot. Pourquoi j'appuie trop vite à chaque coup? Repop. Je crois que ça repop. J'irai le rechercher. Même que je capture celui-là. Ouais, mais moi, je veux Monsieur Feu. Monsieur Feu, s'il vous plaît. Voilà. Hop, comme ça, maintenant... À moi le pouvoir. Alors par contre, il voulait que je te prenne toi. Ok, alors qui on va virer? Duc H. J'avais pas vu ton nom. Je vais te garder juste pour ça. Et donc là, on se retrouve avec un type avec un parapluie, un Mary Poppins dans le mode de Kirby. Cramer un peu, voilà. Hop, hop. On va le cramer lui aussi. Et là, apparemment, j'ai un truc à faire péter. Ah non. Alors la corde. D'accord, ok. Ok, je vois de l'eau qui coule. Je vois tout. Je comprends ce qu'il faut faire. Ok, Monsieur Parapluie, il va falloir que tu m'aides. Par contre, lui, il va falloir que tu arrêtes de lancer des boules de feu. Voilà. Alors, pouvoir ami. C'est comme ça. Oh. C'est génial. Hop, on a pu voir en même temps le petit coup de pied. Voilà, comme ça, j'ai enflammé la corde. Ah bah, elle est revenue. Je vais l'enflammer comme ça. Je voulais vous remontrer, mais dès qu'on bouge... Ah tiens, il y en a un qui a gelé l'eau. Qui... Ah bah oui, toi, t'as le pouvoir de geler. Mais oui, mais c'est malin, c'est astucieux. Ok. Tac, 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 on récupère des pièces. Des pièces de puzzle qui servent à la fin des niveaux. Alors, je sais pas trop ce que ça fait, hein, pour être honnête avec vous. Ah bah ouais, mais si je commence à mettre du feu sur... Mais moi, je peux passer dans... Ah, c'est juste en touchant. Je sais pas si vous avez vu. Mais on va repasser. Regardez, quand Monsieur Glace touche l'eau, c'est à ce moment-là... Ah non, il fait une attaque. J'ai cru que c'était vraiment en touchant l'eau que ça... J'ai rien dit. Alors, je te cramouille. De toute façon, on est à la fin. On passe la petite poporte. Grimper sur une estrade. J'ai pas eu le temps de lire. Ok, on va descendre par là. Bon, après, Kirby, ça reste tout mignon, ça reste tout gentil. Ah bah, c'était ce qu'il nous avait expliqué. Oh, une partouze de Kirby, comme c'est étrange. Ah ok, cool. Je pense qu'il va y avoir, voilà, des murs à démolir, c'était sûr. Ok, bon, alors pour du niveau difficile, pour l'instant, on peut voir la difficulté du jeu. Hein. Si ça, c'est vraiment des niveaux difficiles, c'est quand même assez simple. On va pas se mentir, mais ça reste Kirby, ça reste cool. J'aime bien Kirby, je suis pas ultra fan. J'attends pas chaque jeu Kirby impatiemment. Là, c'est vraiment parce qu'il y avait la démo et tout. Je me suis dit, tiens, je vais la test. Ça fait un petit moment que j'ai pas touché à un Kirby. Oh, plein de... Oh, une vie. Je suis où? C'est... Typiquement, voilà le genre d'endroit où il y a beaucoup de choses à l'écran et on peut se dire que se passe-t-il. Alors là, il faut que j'ouvre la porte à deux. J'ai déjà eu ça tout à l'heure. Il n'y a pas un petit bonus? Non, rien. Ok. On va y aller. Et en fait, quand on a des portes comme ça à deux, on va se retrouver coupé de ses coéquipiers. En fait, on sera deux de chaque côté. Bah, en tout cas, tout à l'heure, c'était comme ça.
j'ai l'impression que ça va être aussi de la sorte. On verra bien. Sinon, je pense qu'il y aurait eu trois personnages. Voilà, vous voyez. Je pense que là, dans ces passages-là en coop, ça peut être réellement sympa. Alors, je vois des petits trucs à activer, très certainement. Voilà, ça fait ça. Ça fait tomber les plaques. Ok, donc on va pas rester en dessous. Ou alors on va commencer à cracher du feu. Vous voyez, il les a déjà démontés. T'es sympa, toi. Attends, là on va faire. Ah non, apparemment ça mène à la porte. Ok, et là on se retrouve. Très bien, parfait, on passe la porte. Bon, c'était un petit passage à deux, mais voyez, je pense qu'il va y avoir des choses comme ça en coop dans le jeu et ça peut être sympathique à plusieurs. Et je sais. Ah, là c'est vachement joli. Petit effet de lumière très sympa. En plus, j'allais vous dire, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve le jeu artistiquement mignon. Est-ce que je peux prendre. Il y a un truc à faire avec ces étoiles là-haut? Apparemment, non. Mais. Ah, ça se calme un peu. Je pense que ça commence à sentir le boss. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça très mignon. Très beau. Ouais. Ouais, ça sent le boss là. Ah. Sangoku. Je vais te capturer, toi, t'as l'air sympa. Ah oui, non, faut que j'abandonne le pouvoir, sinon je vais lui cramer la gueule. Hop, voilà. Je peux taper assez loin. Peut-être éviter lui. Apparemment, je peux taper loin. Ah. Ça dépend. Ça dépend. Allez, pétez-lui la gueule. Faut que je fasse tout le boulot en plus. Ah, roi Dadidou. Qu'est-ce que tu fous là? Ok, bon bah. Le rival despotique. Je m'étonne. Petit boss de fin. Pas petit. On verra bien. Alors par contre, j'ai pas encore tous mes. Je viens de découvrir ce perso, hein. Ne m'en voulez pas si je joue mal. Bon, pour l'instant, ça se passe pas trop mal, on dirait. On va plutôt. Je vais essayer d'éviter de le taper dans le dos. Je pense qu'on a fini sa première forme. Si la cinématique se lance, c'est que. Ouh! Mais t'as été à la salle, mon salaud! Alors, comme ça, on aime soulever de la fonte. Ok, là, il est un peu plus vénère. C'est pas grave, là je suis dans son dos. On lui fait un coup de Honda, quoi. Par contre, ouais, là dégage. Je vais rester un petit peu. D'accord, il détruit. Je peux pas. D'accord, ok. Non, ça marche. Ça marche. Est-ce que je peux par contre. Ah non. Il nous fait un petit King Kong là. Ok. Alors je risque de répéter ok pas mal de fois hein, quand on combat à boss. Ah bon, en plus il s'est bloqué, c'est imbécile. Et il lui reste plus trop de points. Eh mais moi aussi, tiens, je me suis pris pas mal de coups en fait. Merde. Faut que je joue mieux que ça. Allez, on casse ça. Voilà. Hop. Par contre, est-ce que tu peux t'en coincer un petit peu le, voilà, le bras? Histoire que je te remette quelques coups pour finir. Et je crois qu'on l'a achevé. Je crois qu'on l'a eu. Et je pense que la démo va se finir là-dessus. À moins qu'il y ait un petit cadeau, un petit bonus, je ne sais pas. Voilà. Bon, j'ai peut-être pas super bien joué. Veuillez m'en excuser. Mais on sera fait donc ce passage en difficile. Voilà, petite danse de victoire. On est content, on est heureux. C'est cool. Alors ça a certainement rapport avec le scénario, mais là j'en ai strictement aucune idée de quoi ça parle. Peut-être que Nintendo a déjà communiqué là-dessus. Mais en même temps, est-ce qu'on joue à ce genre de jeu pour les scénars? Je ne pense pas. Oui, j'appuie. Deux. Très bien. Donc il doit me manquer plein de choses en fait. Ah non, c'est...
C'est une démo. Bah, Roi Dadidou qui est de nouveau présent. Oh, d'accord, on part un petit peu. Ah, le coup de la laine. C'est vrai que leur jeu en laine Nintendo était très très sympa. Donc, oui, au final, j'ai peu parlé du Nintendo Direct. Parlons-en tranquillement. Donc voilà, ouais, pas mal de dates de sortie, ce qui était plutôt sympa sur tous les jeux qui avaient pu être annoncés dernièrement. Donc je pense que voilà, on a à peu près le programme jusqu'à cet été, ce que je vous disais tout à l'heure. Et je pense qu'à l'E3, on aura le passage pour la deuxième partie d'année. Après, je pense que les Nintendo Direct qui vont suivre vont plutôt s'attarder peut-être sur un jeu ou sur une ou deux annonces comme ça, mais je pense que le plus gros sera pour l'E3. Donc j'ai vu pas mal de gens en fait qui étaient déçus de ce Nintendo Direct, ce qui a pas trop été mon cas puisque ils avaient annoncé quand même pas mal de jeux en amont. Alors beaucoup de portages certes, mais voilà, ils avaient annoncé pas mal de jeux qu'on avait toujours pas de date de sortie. On sait que Nintendo généralement quand ils Nintendo eShop, ils perdent pas le nord. Nintendo, quand ils annoncent des jeux, généralement ça sort assez vite derrière. Donc c'était à peu près ce à quoi je m'attendais, ce Nintendo Direct. Je pensais pas qu'ils allaient débouler quand même du Smash Bros. Donc voilà, ils ont ressorti 2-3 jeux 3DS aussi. Donc elle n'est pas encore morte, hein, la 3DS. Elle n'est pas encore morte. Mais on sent que ça arrive quand même à la fin. On sent que ça arrive à la fin de cette petite 3DS. Et donc voilà, petite démo qu'ils ont mis à peu près en même temps que ce Nintendo Direct, et que je voulais tester, et que je trouve ça sympathique. Après, est-ce que je ferai le jeu complet? Certainement un jour, mais est-ce que je serai Day One sur Kirby? Je ne pense pas. En ce moment, j'ai d'autres priorités d'économie de sous pour des achats. Voilà, la vérité telle qu'elle est, mais en tout cas, elle est cool cette démo, mais le jeu me donne envie. Le peu que j'ai pu tester, là, je pense qu'elle va rester... Elle va rester installée sur la console en mode n'oublie pas, tu as fait cette démo et tu avais trouvé ça sympathique, pour qu'un jour, peut-être dans 6 mois, un an, qui sait, je ferai le jeu complet. Voilà en tout cas ce que je voulais vous dire. Alors est-ce que... Ah non, ils ont sorti exactement les mêmes, c'est dommage qu'on n'ait pas eu un autre petit truc. Bref, c'est là-dessus moi que je vais vous quitter, je vous dis à très très bientôt. En tout cas, merci à vous si vous m'avez suivi jusque-là. Ciao à tous, bye bye.